Bonjour à tous et bienvenue sur les conseils d'Isa. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour mettre des liens cliquables sur vos fins de vidéo. Donc par exemple, vous avez une vidéo YouTube et à la fin, vous voulez mettre un lien qui se rapporte à la vidéo précédente ou un lien qui se rapporte à votre chaîne. Je vais vous montrer comment faire, c'est très simple. Alors, donc je suis sur ma chaîne YouTube, donc ça se passe comme ça en fait. Donc dernière vidéo, ça c'est moi qui l'ai créée, c'est voilà. Donc ce que vous allez faire, donc déjà pour s'y rendre, vous allez sur vos vidéos et ensuite vous cliquez sur sur annotation. Donc vous devez arriver normalement sur un écran qui ressemble à ça. Alors, donc là en fait ce que je voudrais c'est mettre ma vidéo numéro 183 en lien cliquable pardon, et le lien également pour s'abonner. Alors, c'est très simple, il suffit de cliquer sur Ajouter annotation, puis vous cliquez sur Libellé. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je clique sur Libellé, après, vous pouvez cliquer sur autre chose que Libellé, vous avez le choix. Vous prenez le rectangle de base qu'on vous propose, vous le mettez autour, par exemple, de s'abonner. Hop, voilà. Puis, pour le personnaliser, moi je colore juste en fait, hop, et dans la timeline qui est tout en bas, je mets ce libellé jusqu'à la fin de ma vidéo. Voilà. Ensuite, pour que le lien soit cliquable à la fin de la vidéo, vous cliquez sur lien, et ici vous cliquez sur s'abonner ou chaîne, peu importe, orient même. Donc moi je vais mettre chaîne pour aujourd'hui et je vais sur ma chaîne, je copie le nom de ma chaîne et je le colle ici. Voilà. Pour ça, c'est bon. Ensuite, pour ma dernière vidéo, en fait, c'est le même système. Donc, pareil, ajouter annotation, libellé. Donc là, vous faites un rectangle plutôt dans le rectangle que j'ai fait avec Photoshop. Voilà. Un petit peu. Voilà. Pareil, vous le colorez, pardon, oui, vous le colorez. Dans la timeline en bas, vous le mettez jusqu'à la fin de la vidéo. Et là, par contre, je vais chercher mon lien, donc il est là. Je copie le lien de ma vidéo. Je clique sur lien, vidéo, donc c'est bon. Et là, vous collez le lien que vous venez de copier. Voilà. Donc là, je vais vous montrer l'aperçu. Donc là, on voit. Donc là, on voit que mes liens sont cliquables. Donc on voit le lien de ma vidéo et le nom de ma chaîne. Voilà. J'espère que le tuto vous a plu et moi je vous dis à bientôt sur les conseils d'Isa.